Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série Air of the Night. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit l'héritier qui, après avoir découvert ses pouvoirs, se retrouve plongé dans un monde rempli de vampires et de rivalités entre clans. Alors qu'il tente de naviguer dans les intrigues politiques et de maîtriser ses nouvelles capacités, il croise des alliés inattendus et des ennemis redoutables, notamment des vampires assoiffés de pouvoir. Préparez-vous à suivre un voyage captivant, où l'héritage et le destin se confrontent dans un univers mystérieux et dangereux peuplé de créatures nocturnes. Le drame commence en 1889, dans un monde où les vampires existent. Il y a treize rubis rouges, chacun doté d'un super pouvoir unique. Cependant, la plupart de ces rubis ont disparu lors d'une guerre de clans de vampires, il n'en reste que quelques-uns, protégés par différents clans de vampires. L'un de ces rubis était entre les mains de la grand-mère de la jeune Alisa, membre d'un clan de vampires allemands. Ce clan Vamala, qui se nourrissait de sang, vivait incognito dans une petite ville, se confinant dans leur minuscule chambre, s'aventurant rarement à l'extérieur. Chaque fois qu'un petit oiseau volait, Alisa était ravie. Incapable de supporter plus longtemps son existence de cage, elle ouvrit la fenêtre pendant que son père était absent. Son frère essaya de l'arrêter, mais Alisa était déterminée. Elle grimpa sur le toit, saluant avec enthousiasme les enfants dans la rue en contrebas alors qu'elle traversait le ciel nocturne. Surpris par un garçon humain tenant un livre d'un auteur qu'elle admirait, Alisa entama une conversation agréable avec lui. Cependant, lorsque le garçon lui prit la main, Alisa ne put empêcher ses crocs non brossés de se montrer. Elle se détourna rapidement, faisant semblant d'avoir mal aux dents. Le garçon entra à l'intérieur pour chercher des médicaments, mais Alisa saisit l'occasion pour fuir pour sa vie de vampire. Courant à travers le brouillard, Alisa sauta dans une rue animée et ramassa une belle orange sanguine, sans savoir qu'elle devait la payer. Le propriétaire du stand l'attrapa et Alisa montra instinctivement ses crocs d'une manière menaçante. Réalisant qu'elle était un vampire, le propriétaire du stand cria à l'aide. Aliza s'enfuit en courant, poursuivie par quelqu'un brandissant une croix. Elle n'eut d'autre choix que d'escalader un mur pour rentrer chez elle, révélant par inadvertance l'emplacement de toute sa famille. S'excusant frénétiquement, le père d'Aliza regarda par la fenêtre pour voir une foule se rassembler. Il alla réveiller leur grand-mère de son cercueil, qui sentit instantanément les odeurs familières d'argent et d'ail. Les masques rouges, un groupe de chasseurs de vampires, étaient arrivés. Le frère d'Aliza la retint s'interrogeant sur son intérêt pour le monde extérieur. Réticente à révéler la vérité, Aliza fut poussée à placer la main de son frère sur sa poitrine, révélant un battement de cœur humain. À ce moment-là, leur père aperçut Calvina en bas, qui est une redoutable chasseuse de vampires déterminée à détruire tous les vampires. La situation devenant désastreuse, la grand-mère d'Aliza activa le rubis rouge, envoyant un signal de détresse au chef des clans de vampires. Elle alluma ensuite les rideaux avec un candélabre, exhortant la famille à s'échapper. Cependant, à mi-chemin, Aliza sentit une palpitation cardiaque soudaine. Sa main droite brillait, et des visions d'un aîné se réveillant d'un cercueil dans une montagne isolée traversèrent son esprit. Il marmonna que des étincelles se réveillaient. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, les masques rouges firent irruption. Aliza se précipita à l'étage pour se cacher dans un coin. Les chasseurs de vampires firent irruption dans la maison et ramassèrent un portrait de famille. Il s'avéra que l'homme qu'Aliza pensait être son père était en fait andrique, un vampire de l'ombre et le gardien de la famille d'Alisa. On disait que les parents biologiques d'Alisa s'étaient dirigés vers la lumière du soleil et avaient mis fin à leur jour. Alors que Calvina était sur le point de découvrir Alisa, ses subordonnés rapportèrent avoir trouvé un passage secret. Calvina appela immédiatement tout le monde en bas. Pensant que tout le monde était parti, Alisa était sur le point de sortir lorsqu'elle rencontra un homme barbu. Elle se précipita dans la chambre mansardée mais fut rattrapée par l'homme barbu qui lui tendit un couteau. Alisa mentit. Prétendant qu'elle était humaine et qu'elle était juste venue voir l'agitation. L'homme barbu la contrôla à l'aide de sa barbe sensible et la crut réellement. Mais alors qu'Alisa jetait nerveusement un coup d'œil dans un miroir, l'homme suivit son regard et fut choqué de ne voir aucun reflet de la fille. Réalisant que sa couverture était grillée, Alisa donna rapidement un coup de pied à l'homme dans sa barbe et s'échappa par la fenêtre du grenier. Elle se précipita dans la rue et se mit à courir comme un poulet fou, pour être attrapée par quelqu'un portant un masque rouge. Heureusement, il s'avéra qu'il s'agissait d'Andrick, qui était déguisé. À ce moment-là, la lumière dans la paume d'Alisa brilla à nouveau et une scène familière apparut. Il semblait qu'elle avait réveillé un grand aîné qui portait une bague en rubis à la main. L'aîné sentit que quelqu'un l'observait secrètement. Puis la lumière s'éteignit. Andrick reconnut qu'il s'agissait d'une étincelle magique, mais refusa de l'expliquer à Alisa. Il insista seulement sur le fait qu'elle devait cacher ses capacités jusqu'à ce que le moment soit venu de dire la vérité à Alisa. Après avoir dit cela, il l'entraîna rapidement pour rejoindre sa grand-mère et son frère juste à temps. Le chef des vampires, ayant reçu un signal de détresse, arriva sur les lieux. Au moment où Calvina atteignit le site, Alisa et sa famille étaient déjà montées à bord du dirigeable. Cependant, Calvina n'avait pas l'intention de laisser ses vampires s'enfuir. Elle rentra chez elle, attrapa son fils, fit ses bagages et partit. Il s'avéra que le fils de Calvina, Niku, était le même qu'Alisa avait rencontré plus tôt. Cependant, Niku était réticent à suivre sa mère et se joignit à leur voyage à contre -coeur. Pendant ce temps, Alisa observait avec curiosité les environs. Les gens à bord du navire les regardaient froidement. Sa grand-mère prit Alisa à part et l'avertit d'être prudente sur le navire. Mais la nuit, la paume d'Alisa recommença à briller. Elle aperçut à nouveau le grand aîné, qui sortit une chauve-souris d'une cage et lui fit embrasser l'anneau sur sa main. L'instant d'après, la chauve-souris se transforma en une forme humaine. L'aîné couvrit la femme nue de son manteau sans aucune envie maléfique. De leur conversation, il était clair que cet aîné n'était autre que le grand ancêtre de tous les vampires, Dracula, qui dormait depuis 300 ans. Les treize rubis appartenant à divers clans de vampires ont été fabriqués à partir des larmes de Dracula mélangées au sang de sa femme, Elisabetta. La vision s'est arrêtée là, et Alisa s'est glissée hors du cercueil, s'est enveloppée la main et s'est dirigée furtivement vers le pont des airs. Cette liberté sans précédent l'a enthousiasmée. Jusqu'à ce qu'un garçon, Lars, du clan Dra, la prenne soudainement à part et communique par télépathie, l'avertissant qu'ils ne doivent pas laisser le chef les voir errer. Dans les grands clans, seul le clan Dra pouvait lire dans les pensées, connu pour sa cruauté impitoyable. Alisa a immédiatement détesté la personne en face d'elle, en particulier le chef, qui avait volé de nombreux rubis pendant les guerres des clans de vampires. Entendant ses pensées, Lars révéla qu'il était le fils du chef. Alisa s'excusa maladroitement, mais Lars retourna rapidement à la cabine. Andric la ramena ensuite dans sa chambre. Alors qu'Alisa était sur le point de se reposer, l'étincelle jaillit à nouveau. Elle vit Dracula à genoux devant une statue d'Elisabta, cherchant à récupérer les treize rubis pour faire revivre son amant. Dracula tendit alors sa bague à Batwoman, lui demandant de récupérer les rubis sur le navire. En cas de succès, Dracula promit de libérer toutes les chauves-souris. La Batwoman avala la bague, reprit sa forme originale et s'envola dans le ciel comme un rat volant. Alisa réalisa que le navire était en danger. Soudain, un garçon aux yeux bleus s'approcha d'elle, l'informant que le navire avait accosté sur la côte de sa famille et l'invita à dîner. Son frère jouait avec une souris et les autres enfants regardaient Alisa avec dédain. Lars demanda ah. à Alisa de se présenter. Son nom de famille, Vialia, n'apporta que plus de ridicule alors qu'il méprisait la famille d'Alisa. Le garçon aux yeux bleus, la défendant, jeta une Bible sur Lars, qui fut immédiatement brûlée par le livre. Le garçon aux yeux bleus ramassa la Bible, révélant qu'il était l'héritier du clan Nosferu, qui était immunisé contre le pouvoir de la Bible bien qu'il soit des vampires. Enragé, Lars le souleva par télékinésie et ses sœurs éclatèrent de rire. L'autre garçon, Malcolm, du clan Virad, se joignit à la fête, utilisant la foudre de sa paume pour soulever la jupe de la fille, et une bagarre éclata. Alisa, qui n'était pas du genre à reculer, se jeta courageusement sur Lars pour protéger sa nouvelle amie, transformant la salle à manger en chaos jusqu'à ce que le chef intervienne. Les enfants obéirent et les chefs de clans s'avancèrent pour parler. Il fut alors révélé qu'à l'origine, il y avait 13 clans de la nuit. Après une guerre civile au sein des clans de vampires, il n'en restait que cinq les Nosad d'Italie, les Draps de Norvège, les Virats du Royaume-Uni, les Puits de France et la famille d'Alisa, les vampires Vamala d'Allemagne. Pour résister aux masques rouges et s'assurer un avenir prospère et pacifique, ils décidèrent de fonder une école où les héritiers des cinq clans de vampires pourraient apprendre et partager leurs capacités. Pendant ce temps, Batwoman s'envola vers les quais où les enfants faisaient leurs adieux à leur famille. Elle repéra immédiatement les rubis et communiqua par télépathie avec le lointain Dracula. De manière inattendue, l'ombre de Dracula apparut brusquement. Il s'avéra que Dracula possédait les rubis de la lignée du clan de Batwoman, permettant à son ombre de se déplacer librement et de garder un œil sur Batwoman à tout moment. La femme reprit sa vraie forme, se cacha dans le véhicule du chef et suivit le groupe qui partait. Sur le navire, les héritiers vampires commencèrent leur cours. Alisa était impatiente de suivre les nouveaux cours. La première compétence était la désacralisation, dirigée par le garçon aux yeux bleus du clan Nosferu. Le professeur responsable ouvrit une grande boîte, murmura un sort, puis en sortit une croix à main nue. Les enfants, terrifiés, dévoilèrent leur croc. Mais une fois que le garçon aux yeux bleus eut terminé le sort, il put lui aussi toucher la croix. Malcolm trouva cela ennuyeux et ne voulut pas rester. Il convainquit Lars de renverser la boîte, et ils partirent tous les deux au milieu du chaos. Alisa fut témoin de tout. Avant que Lars ne parte, il l'avertit de ne divulguer aucun secret. Plus tard, la classe fut rétablie à la normale, mais le directeur reçut un message concernant l'incident de leur chef. Un rubis avait été perdu lors d'une attaque de chauve-souris. Les enfants n'étaient pas conscients du danger imminent et continuèrent leur cours. Lorsque le professeur remarqua que deux élèves manquaient, Lars et Malcolm, il demanda à Alisa, qui était assise en face de lui, mais elle resta silencieuse. Il n'eut d'autre choix que d'emmener Alisa voir le directeur, où elle devait dire la vérité. Pendant ce temps, les étudiants espiègles avaient atteint les rues, où Malcolm utilisa ses mains pour rassembler la foudre et contrôler les nuages, invoquant la pluie au-dessus de plusieurs femmes qui coururent dans un bâtiment pour l'éviter. À leur insu, le bâtiment était une église. Les garçons se sentirent étourdis et faibles et s'effondrèrent bientôt sur le sol. Une religieuse, pensant qu'ils étaient possédés, aspergea Malcolm d'eau bénite. À ce moment critique, le CEST arriva, hypnotisa la religieuse, ouvrit la porte et ramena les fauteurs de troubles au navire. Le directeur vampire les punit d'une semaine de devoir. Lars lança un regard noir à Alisa, mais elle s'excusa plus tard et se porta même volontaire pour aider à nettoyer. Lars ne comprenait pas les intentions d'Alisa et essaya de lire dans ses pensées, seulement pour voir Dracula dans ses pensées. Avant qu'il ne puisse demander, Hendrik, qui n'était pas parti avec la grand-mère d'Alisa, emmena Alisa pour lui tenir compagnie. De retour sur le bateau, la comtesse arrêta Alisa, révélant qu'elle connaissait sa mère et qu'Alisa avait un battement de cœur. Le cœur lourd, Alisa retourna à son cercueil, qui la transporta directement à l'endroit où se trouvait Dracula. Le grand vampire était dans une taverne et remarquant la présence d'Alisa, réalisa qu'elle espionnait. Il la renvoya de force à son emplacement d'origine. Au réveil, Dracula avait vidé toute la foule de la taverne, retrouvant son apparence de jeunesse. Il s'approcha du bar. Réveilla l'un des hommes et lui demanda de l'aider à chercher les rubis. Au moment où Dracula était sur le point de révéler l'emplacement, il sentit qu'Alisa le surveillait et coupa la connexion, la laissant sans information cruciale. Soudain, quelqu'un frappa à son cercueil. Alors qu'elle ouvrait le couvercle, la sœur de Lars lui éclaboussa le visage d'eau. Alisa, découvrant ses crocs, se jeta sur elle mais ne fit pas le poids face aux sœurs et fut brutalisée. Plus tard dans le cours, Alisa regarda fixement son cahier, se souvenant de la dernière fois où elle avait vu sa mère. Qui semblait également avoir une étincelle brillante dans les mains. Le directeur remarqua sa distraction et l'appela pour lui présenter les capacités de son clan Vialia. Avec beaucoup de difficultés, Alisa mentionna que le pouvoir d'un clan de vampires était l'amour, ce qui fut accueilli avec moquerie par ses camarades de classe. Le directeur lui demanda de s'asseoir et de prêter attention, puis continua à présenter les capacités des treize clans de vampires d'origine, y compris le clan néerlandais Tova, qui pouvait naviguer dans l'eau, une compétence inestimable pour les vampires qui ne savaient pas nager. Pendant ce temps, Dracula ramait sur un bateau Tesla Manuel avec son serviteur, sentant le rubis du clan Tova. Il jeta le serviteur dans l'eau, lui ordonnant de récupérer le rubis en dessous. Alisa fut secrètement témoin de tout l'événement. Lars, remarquant son regard préoccupé, essaya de lire à nouveau dans ses pensées, mais vit de manière inattendue des souvenirs de sa mère. Réalisant qu'il sondait ses pensées, Alisa l'arrêta rapidement et quitta la salle à manger avec son plateau. Elle descendit dans les quartiers de l'équipage. Trouva Andrik et le pressa de lui donner des détails sur la vie de sa mère. Il lui révéla que son père était mort dans une guerre de clans et que, incapable de supporter la perte de son bien-aimé, sa mère avait choisi de se désintégrer sous le soleil. Déroutée, Alisa se demanda si c'était sa l'amour. Elle interrogea ensuite Andrik à propos de l'étincelle magique dans ses mains, mais il refusa de lui expliquer, lui demandant seulement de la garder secrète car l'étincelle chercherait un nouvel hôte. Frustré par son secret, ils se séparèrent en mauvais termes. De retour en classe. Alisa ouvrit une armoire et en sortit une bouteille d'eau bénite, prévoyant de donner une leçon aux sœurs DRAA en échangeant leurs parfums avec. Le lendemain matin, lorsqu'elles vaporisèrent le parfum, elles furent effectivement brûlées par l'eau bénite. Lars réalisa qu'Alisa était derrière tout ça, mais choisit de ne pas l'exposer publiquement. Pendant ce temps, le directeur remit le rubis à la comtesse, demandant à sa femme de le garder en sécurité. La Batwoman surveillait secrètement ses actions et rendit immédiatement compte à Dracula. Cependant, le maître lui ordonna de laisser le rubis tranquille et de se concentrer plutôt sur la collecte de détails sur alisa à ce moment-là une fille accompagnée d'un loup courut sur le navire provoquant l'attention de tout le monde et la levée des crocs croyant qu'il s'agissait d'un métamorphe car les loups garous étaient considérés comme éteints la fille se présenta comme étant ivy une descendante du clan liana malgré le scepticisme du directeur lars confirma par lecture de pensée qu'elle disait la vérité ivy expliqua que le loup n'était pas son animal de compagnie mais son frère le directeur accepta de laisser Ivy rester à l'école. La plupart des autres nourrissaient de l'hostilité envers les loups-garous, mais Aliza s'approcha d'Ivy et se lia d'amitié avec elle. Elles finirent naturellement par être des colocataires de bureau. Quand Ivy voulut copier les notes d'Aliza, Aliza les lui tendit, oubliant que ses gribouillis sur les étincelles magiques et les visions se trouvaient également dans le cahier. Une chauve-souris cachée à proximité vit le carnet. La leçon d'aujourd'hui portait sur la distinction des vampires, principalement divisée en deux catégories. Les vampires de lignée et les ombres. Les vampires de lignée sont nés de la lignée de Dracula, tandis que les ombres sont des humains transformés sans superpouvoirs et doivent obéir aux vampires de lignée. Lars a même qualifié les ombres des esclaves, un terme qu'Aliza n'aimait pas. Leur désaccord a dégénéré en une dispute télépathique au cours de laquelle Ivy a demandé si elle et Lars étaient un couple. Lars a rougi à la suggestion, mais Alisa l'a immédiatement nié. Alors que la journée touchait à sa fin, Alisa, qui n'est généralement pas du genre à se faire des amis facilement, s'est retrouvée à s'entendre à merveille avec Ivy. Cette nuit-là, Alisa était allongée dans son cercueil, incapable de dormir, son esprit concentré sur les étincelles dormantes dans sa main et ne sachant pas comment les activer. Prévoyant de faire des recherches à la bibliothèque, elle a réveillé le garçon aux yeux bleus pour lui demander son chemin. Le garçon a accepté de lui dessiner une carte. Lars, entendant leur chuchotement, suivit furtivement Alisa pour ne pas être en reste, tandis que Badger le battait ses lourdes ailes pour la rattraper. Cependant, Alisa ignorait que le véritable danger n'était pas ces deux-là, mais la chasseuse de vampires, Calvina, qui était également arrivée en ville. En suivant la carte, Alisa entra dans la bibliothèque, où le se transforma en sa forme humaine à côté et espionna Alisa à travers la vitre alors qu'elle cherchait des livres sur Dracula. Étonnamment, elle en trouva un. À ce moment-là, le fils de Calvina, Niku, vint également acheter un livre, et les deux amoureux des livres furent ravis de se revoir. Lars, jaloux, les regarda quitter ensemble la bibliothèque pour déjeuner. En riant et en discutant. La Badgir le rapporta à Dracula le livre, qui semblait contenir des informations cruciales. Dracula lui ordonna de le détruire au plus vite. De retour avec Alisa, Niku avait choisi un restaurant sous le soleil. Ne voulant pas refuser son invitation, Alisa le suivit avec un parapluie à la main. Ils s'assirent à la table, discutant, et Alisa impressionna Niku en commandant un plat italien. Excité, Niku lui saisit la main, ce qui rendit Lars furieux. Il quitta le restaurant en colère frôlant Batwoman. La Batwoman se faufila dans la cuisine, attrapa une serveuse et s'habilla en uniforme pour nettoyer les tables. Cependant, lorsque la chef découvrit un corps sur le sol et hurla comme un cochon qu'on égorge, Batwoman réalisa que la situation était désespérée. Elle attrapa le livre et courut. Alisa et Niku la poursuivirent, sprintant dans les rues mais furent bientôt encerclés par la police. Alisa et Niku furent arrêtés. À ce moment-là, un policier entra dans le bureau. Mentionnant une serveuse qui avait été mordue et dépouillée. Alisa soupçonna que le voleur de livres était le meurtrier, probablement pas humain, et savait qu'elle devait s'échapper rapidement. Niku essaya de crocheter la serrure avec un fil, tandis qu'Alisa pliait de force les barreaux de fer. Réalisant que sa force était anormale, elle réinséra les barreaux et dit à Niku que la clôture était lâche, mais qu'elle avait besoin de son aide. Avec un léger effort, Niku plia les barreaux et Alisa le complimenta sur sa force alors qu'il sortait par la fenêtre et s'enfuyait dans les ruelles. Cependant, il n'était pas allé bien loin avant qu'Aliza ne voit la police se disputer avec les masques rouges, avec Calvina parmi eux. Elle savait qu'elle devait retourner au navire de toute urgence. Malgré sa réticence, Niku la serra dans ses bras et organisa un rendez vous le lendemain. C'était la première fois qu'Aliza ressentait de la chaleur et la lumière dans sa main s'allumait à nouveau. Elle se vit alors ouvrir une grotte, marcher jusqu'à un nœud de corde et l'attraper, la transportant instantanément sur une côte avec sa famille et ses amis autour, même ses parents. Aliza versa une larme. Paniqué car les vampires ne sont pas censés pleurer comme un bébé humain géant. Quand Alisa revint au navire, elle trouva le directeur en train de compter les têtes. Quelques heures auparavant, le chef de la police avait discuté d'un accord de gentleman avec le directeur. Tant que les vampires n'attaquaient pas les habitants de la ville, ils seraient laissés tranquilles. Ils n'interviendraient pas, mais la mort de la serveuse avait perturbé la paix et le directeur voulait identifier le meurtrier. À ce moment-là, Ivy trouva Lars et lui demanda de l'aider avec Alisa, sachant qu'il se souciait d'elle dur à l'extérieur mais doux à l'intérieur. Lars se téléporta derrière Alisa et lui ordonna de monter à bord par tribord. Alisa suivit son conseil, tandis qu'Andric s'inquiétait de ne pas la trouver. La seconde suivante, Lars se pavana sur le navire, attirant l'attention de tout le monde, ce qui permit à Alisa de se fondre dans la foule. Malheureusement, Lars finit par être enfermé dans la cale du navire. Un professeur portant une valise entra dans la cale, dans l'intention de tourmenter Lars. Il sortit une croix mais Lars récita rapidement un sort pour neutraliser sa sainteté. Cependant, lorsque le professeur ramassa une croix en argent, Lars ne put résister et paniqua.